Là, j'y ai au total une, deux, quatre, six, huit, dix, douze, quatorze, seize, dix-huit, vingt, vingt-deux, vingt-quatre, vingt-six, vingt-huit, trente, trente-deux, trente-quatre, trente-six, trente-huit, j'ai 40. Va faire une dernière. Va augmenter dernière fois pour avoir 42 mailles. Au total. Alors, je voulais aussi vous dire que les deux morceaux se tricotent de la même manière. Donc, on ne change pas de direction. On fait les deux morceaux pareillement. On a augmenté une dernière fois, on tourne le travail et on va augmenter une dernière fois de ce côté-ci pour avoir 42 mailles à la fin et on repart toujours à l'envers. Toujours à l'envers. Alors, comme j'ai déjà 42 mailles sur l'aiguille, termine cette rangée. Alors, ici, on ne va pas faire d'augmentation, on va simplement repartir à l'envers. On termine. Alors, on tourne le travail cette fois-ci. On va travailler cette partie du haut. Donc, pour cela, on va faire. Alors, pour travailler donc cette partie, okay. Tu veux faire
Je fais donc deux mailles ensemble à l'envers. Et on prend donc toutes les mailles à l'envers, toujours à l'envers. Voilà. Ici. Première rangée, je vais simplement marquer le début de. Ici. Et je prends toute la rangée à l'envers. Donc, on termine. La rangée. On tourne donc le travail. Cette fois-ci, on va augmenter d'une maille ici et on repart toujours à l'envers. Donc, on fait une diminution à droite et on augmente à gauche. De cette manière, on aura toujours nos 42 mailles sur l'aiguille. Et on termine. Rangée. On tourne le travail, on repart, on fait deux mailles ensemble on repart à l'envers. On termine. On tourne le travail. On fait une augmentation. Et on repart à l'envers du travail. Donc, on augmente de ce côté et on fait une diminution de ce côté. On termine. La rangée, comme toujours. On repart, on fait deux mailles à l'envers, toujours, et on prend toute la rangée, on tricote à l'envers.
ce que ça nous donne. Donc, si on superpose ça, là, nous sommes juste au début, ça va avoir la même hausse à la fin. Donc, et on va donc au total, on va monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc, 23 rangées. Donc, on va diminuer de ce côté, on va augmenter de ce côté sur 23 rangées. Alors, au fur et à mesure qu'on va augmenter en nombre de rangées, donc on va avoir cette figure. Donc, on travaille toujours, on diminue ici, on augmente ici, on diminue ici, on augmente ici. Hein? Toujours deux mailles ensemble à l'envers et toute la rangée on la tricote à l'envers aussi. Jusque là rien ne change. J'ai dit on va donc monter l'envers. Fait donc on va monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 rangées. Donc, si on essaie de superposer les deux parties, donc cette partie va donner ceci. Se marie très bien au total. Donc on continue jusqu'à 23 rangées au point de mousse, toujours à l'envers, et puis le reste on va tricoter cette partie et puis on va redescendre.